Tu as fini le dossier? Oui, j'ai presque fini. Il me manquait plus que la dernière case à remplir et puis c'était bon. Ok, super. Franchement, cette mamie Josette, on en a vraiment marre ici. Elle vient tous les jours pour porter plainte. Soit contre son voisin, soit contre son facteur. Et franchement, aujourd'hui, elle dépasse les bornes. Porter plainte contre son propre chien, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, si lui a mangé ses godasses? J'avoue, je suis désolée, chef, hein, j'ai vraiment essayé de lui en dissuader en disant que ça allait mener nulle part dans tous les cas et que c'était une perte de temps. Mais vraiment, elle m'a dit qu'elle allait porter plainte contre moi si je prenais pas sa plainte à elle contre son chien. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais remplir son dossier de toute manière. On n'a pas le droit de refuser les plaintes et puis j'ai pas envie d'avoir des problèmes, surtout que ça fait que quelques jours que je travaille ici. Donc voilà. Non mais tu as très bien fait, hein. De toute façon elle n'aurait pas lâché l'affaire dans tous les cas, elle aurait été jusqu'au bout et elle aurait fini vraiment par porter plainte contre toi. Mais elle, tu vas la voir tous les jours, hein. Et comme tu es la nouvelle de l'équipe, eh bien forcément c'est tout en toi qui va devoir prendre sa plainte, c'est comme ça. Ça fait des années que ça dure, ça fait des années que cette vieille dame vient nous pourrir la vie ici, et ça fait des années que c'est toujours la dernière recrue qui prend sa plainte. Ah, bah j'espère pour toi qu'on recrutera bientôt de nouvelles personnes, mais de ce que je sais, c'est pas vraiment prévu. Ah bah super. Mais regardez chef, j'ai presque fini dans tous les cas, et puis bon, moi j'ai bien rigolé quand même quand elle m'a raconté son histoire avec son chien et ses godasses. J'imagine bien. Dès que t'as fini, tu viens dans mon bureau, il faut que je te parle. Ok chef. Bienvenue dans le Vendrezel Horror Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Et voilà, terminé. Je vais aller voir mon chef. Chef, c'est bon, j'ai fini. Super, je voulais te revoir parce que j'ai bientôt terminé moi aussi de mon côté. Il fallait que je te reparle du coup de cette soirée. Tu sais que ce soir tu vas être toute seule au commissariat et que, bon, bien évidemment tu vas quand même avoir un effectif, c'est Kevin, mais Kevin est en patrouille. Il viendra au commissariat seulement s'il y a besoin. Toi, tu restes au commissariat. S'il y a un souci, il faut que tu rappelles du renfort. Mais normalement, c'est une nuit où il va techniquement rien se passer ou rien de grave. Et si tu as besoin d'envoyer quelqu'un sur le terrain, Kevin fera l'affaire. Bien évidemment, tu peux appeler du secours si besoin. Ok, chef. De toute manière, j'ai été formée pour ça, il fallait bien qu'à un moment donné, je sois seule au commissariat, donc il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Je suis assez confiante. Bah, je suis content, parce que bon, j'en ai un peu marre de toujours d'avoir des nouvelles recrues qui ne savent rien faire toutes seules. Bah, c'est parfait, tu vas pouvoir t'occuper du commissariat, et j'ose espérer que tu ne m'appelleras pas en renfort pour que je puisse passer du temps avec ma femme et avec mes enfants. Ne vous inquiétez pas, chef, ça va super bien se passer. J'ai la tête sur les épaules, vous m'avez ultra bien entraînée, je suis formée, donc il va pas y avoir de problème. D'accord, j'espère bien, j'ai vraiment pas envie que tu m'appelles. Ok, bon, tu peux repartir, moi je vais bientôt décoller dans tous les cas, et en tout cas je te souhaite bonne chance pour cette nuit, et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'urgence. Ok, chef, merci, bonne soirée à vous et à votre famille. Oh là là, si seulement elle savait. Ah, ça y est, il est parti, je peux arrêter de faire semblant de travailler. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Peut-être une petite pause café? Ou est-ce que je regarderai pas Netflix sur mon téléphone? La dernière fois que j'ai passé la nuit ici pour être formée avec le chef, il s'est strictement rien passé. Franchement, moi ça me convient. Si je peux être payée à ne rien faire, ça me convient à 100%. De manière au cas où j'ai le talkie-walkie pour appeler Kevin. Tiens, souci. Je vais peut-être aller déposer une petite crotte. Heureusement que le café est gratuit ici parce que ça ferait longtemps que je serais ruinée. On va se mater un petit Netflix. C'est
C'était quoi ce bruit? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça a dû être un truc qui est tombé. Je vais quand même pas appeler le chef pour ça. En plus, s'il est avec sa famille... J'ai l'impression que ça venait du toit. Non, via l'hélicoptère. Où est-ce qu'elle est, la lampe torche? Je vais monter en haut, je vais vérifier. Parce que s'il se passe quelque chose avec l'hélicoptère... Je vais me faire tuer demain. Je vais potentiellement perdre mon travail. C'est bon, la lampe torche. Il faut vraiment que j'y aille, mais ça fait trop peur. Ça se fait... C'est juste le vent. Il fait nuit, il y a pas mal de rafales. Ils avaient prévu quand même du vent assez fort. Et une météo capricieuse. Il y a quelqu'un? Maintenant, je deviens complètement tarée. Hein. Je vais y aller. J'ai vraiment pas envie, mais il faut que j'y aille. S'il y a quelqu'un, vous feriez mieux de me le dire, parce que je vais monter, vous allez passer un sale quart d'heure. Non mais vraiment, faut que j'arrête. C'est sûr, il y a personne. Il y a personne, je suis en train de me faire des films. J'espère juste que l'hélicoptère, il a rien. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me suis vraiment fait des films. Ça doit juste être le vent, une hélice qui a tourné, je sais pas, moi, un bidule qui est tombé. De toute manière, au pire, je dirais que j'ai rien entendu. On descend en bas. En plus, je commence à sentir des petites gouttes d'eau, là. Il va certainement pleuvoir. Et il fait vraiment très froid. Ça m'a quand même mis la chair de poule. Faut que je regarde un truc... Un truc qui pourrait m'apaiser. Quelque chose de... Je sais pas, moi. Une comédie musicale, tiens. Ça a pas loupé. Ils avaient bien prévu de la pluie pour une fois qu'ils ne se trompent pas à la météo. J'aurais bien aimé qu'ils se trompent. Ça rend encore ma soirée encore plus glauque. Cette nuit est déjà assez terrifiante. J'espère qu'ils me remettront pas toute seule la nuit d'aussitôt. J'aime vraiment pas ça. Ah bah tiens, un appel. Oh, pour une fois que je prierais que ce soit une urgence comme ça, je me retrouve pas toute seule. Allô, c'est bien la police de Brookhaven. Je vous écoute. Quelle est votre urgence? Allô? Si c'est une blague, vous savez que nous pouvons retracer cet appel. Soyez plus clair. Je vous répète que si c'est une blague, vous en courez gros. Je ne sais pas qui vous êtes, mais on peut retracer ce numéro de téléphone. C'est étrange. Je ne pense pas qu'ils aient prévu des problèmes de réseau. C'est le même numéro qui me rappelle. Allô, c'est la police de Brookhaven. Je ne comprends pas ce que vous dites. Essayez de trouver un endroit où il y a plus de réseau. Allô? Allô? Non mais c'est une blague, non mais c'est obligé, ça doit être des jeunes. C'est sûr, c'est des jeunes qui s'amusent à appeler la police pour rien, qu'ils ont oublié de masquer en plus leur téléphone, ces imbéciles. Demain, je vais en parler au patron, on va les retrouver, et j'espère qu'il va pouvoir me laisser les engueuler. Oh, je vais peut-être quand même appeler Kevin au Talkie Walkie, juste histoire de savoir si tout va bien, et lui parler de ça et de ce que je devrais faire. Kevin, ici la centrale. Est-ce que tu me reçois? Kevin, c'est moi. Est-ce que tu me reçois, s'il te plaît? C'est la centrale. Pourquoi elle ne me répond pas? Ce n'est pas normal. Là, je pense que ça commence à devenir une urgence. Parce que Kevin ne me répond pas. J'ai un appel chelou que rien que pour Kevin, ça se fait lui arriver quelque chose ou quoi? J'ai besoin... Non, il faut que j'appelle mon patron et il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Pourquoi je tombe directement sur sa messagerie? Il a éteint son téléphone, mais qu'est-ce que je fais moi en cas d'urgence? C'est pas normal tout ça. Je vais essayer de le rappeler, peut-être qu'il était en appel avec quelqu'un. Il m'a peut-être mis en attente. Mais... C'était quoi ce bruit là? C'est sûr, ça venait des cellules. Mais le problème c'est que on a personne en garde à vue pour cette nuit. Je suis vraiment toute seule au commissariat. Je sais que mon chef il m'a dit de ne pas prendre d'armes, mais là j'ai vraiment envie de prendre une arme... Je sais pas ce qui se passe et je peux pas quitter mon poste parce que s'il y a quelqu'un qui a besoin de moi et qui vient ici, je fais quoi?
Je peux pas partir, je suis bloquée ici. Je vais prendre au moins mon taser. Je vous préviens, je suis armée. Je sais pas qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites au commissariat, mais je suis armée. D'accord ? Donc soit vous vous rendez tout de suite, soit je vais venir vous chercher. Je sais pas si j'avais l'air convaincante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il y a strictement personne. Je me disais bien, je vais aller voir dans la deuxième. Pareil, il n'y a personne ici. Je comprends vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis en train de devenir totalement parano. J'ai peut-être, je sais pas, mais peut-être la fatigue, tout ça, le stress, le vent en plus, la pluie, il y a peut-être des petites rafales de vent et ça fait, je sais pas, bouger les murs, les trucs, je sais pas. Faut que j'arrête de psychoter. Je vais retourner à ma place. Et je vais garder mon taser, on sait jamais. Mais c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie? Oh, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il y a une barricade devant? Je suis en train de rêver. Je vais me pincer parce que là, franchement, je n'y crois pas. Je suis encore en train de dormir là. Aïe! Ah! Ça fait mal! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'arrive à voir entre les lattes de bois? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose là juste derrière. Oh bordel! C'est quoi ça? Mais qui êtes-vous? Main en l'air, sinon je vous tase! Reculez! Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit de reculer! Il est parti, je crois, mais c'est pas du tout normal. Comment je vais faire pour sortir d'ici? C'est la baraque qui a aidé la sortie. Et j'arrive à joindre personne. Je peux même pas appeler la police parce que c'est moi la police. Bon, au moins, il est à l'extérieur. Oh, il faut que j'enlève l'échelle qui est à l'extérieur pour qu'il monte sur le toit parce que sinon il peut passer par là. Vite! Où est-ce qu'elle était déjà l'échelle d'urgence? Je sais pas, en plus je vois rien, il fait nuit. Il fait nuit noire. Elle doit être quelque part par là. Oh, ça glisse vachement. Ici, il faut que je fasse attention. Vraiment que je fasse attention. Non, 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 arrêtez pas un pas de plus. Reculez. N'avancez pas vers moi. Je vous préviens, vous faites un pas de plus et je vais... Ah! Chef, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que notre prank, il est parti un petit peu trop loin, là. Est-ce qu'elle est morte? J'ai bien l'impression que oui, Kevin. Mais vite, il faut appeler les ambulances. Il y a peut-être encore de l'espoir. Kevin, tu appelles les ambulances et qu'on est sur place et qu'ils constatent tout ce qui vient de se passer. On va perdre notre place tous les deux et nous irons en prison, c'est sûr. Chef, je comprends pas où est-ce que vous voulez en venir là. Kevin, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Chef, vous savez très bien que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je suis avec vous, bien évidemment. Vous voulez faire quoi? Dans un premier temps, on va effacer toutes les caméras de surveillance. Et puis ensuite, tu viendras ici comme si tu finissais ta ronde normalement. Et tu diras que t'as reçu aucun appel. D'accord? J'ai bien compris. Oui... Oui, chef, mais est-ce que vous en êtes sûr? Écoute, Kevin, on était juste censé lui faire peur pour que demain, elle démissionne. Parce qu'elle était vraiment nulle comme recrue. Et qu'on pouvait pas s'en débarrasser autrement.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse? Maintenant qu'elle est dans cet état, on ne peut plus rien faire pour elle. Et moi, je ne veux pas perdre ma place, ça va détruire notre vie, Kevin, tu comprends ça? Ça va détruire notre vie. J'ai essayé, je voulais juste lui dire de ne pas reculer parce que ça glissait sur le toit. Et elle ne comprenait rien à cause de mon masque. Et elle a quand même reculé, elle a glissé, elle est tombée. C'était un accident, Kevin. Mais personne ne nous croira. Personne. Tu sais très bien, nous sommes tous deux des policiers, nous savons très bien ce que nous risquons. Vous avez raison, chef. Rentrez chez vous. Je m'occupe de tout. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est horrible. Comment je vais faire pour vivre avec ça sur la conscience ?